Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne FBOX. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans du monde entier. Donc mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous parler comment changer le keyboard qui vient par défaut sur les Android ou bien les Google TV. Car beaucoup d'entre vous nous ont demandé comment changer le keyboard afin que l'utilisation du keyboard soit optimisée et plus facile et plus agréable quand on fait la recherche ou bien quand on essaie d'écrire quelque chose qui inclut les chiffres et les lettres. Donc, pour être plus clair, je vais vous montrer tout d'abord un exemple. Donc, on va y aller par exemple sur l'application Browse. Donc, comme vous le voyez, mes amis, j'ai pas de chiffres qui s'affichent à moins que j'aille tout en bas ici. Je clique pour afficher les chiffres. Ensuite, pour revenir aux lettres, il faut aussi que je revienne ici pour retourner aux lettres. Donc, pourquoi pas ne pas avoir le tout sur la même interface, comme ça, on ne sera pas obligé d'aller chercher les chiffres et par la suite revenir pour les lettres. Donc, l'application que je vous montrais aujourd'hui, ça sert à ça. Et l'application, bien sûr, est disponible sur le Google Play Store. Donc, tout sera facile à faire et même à utiliser. Tout ce que je vous demande, c'est de suivre la vidéo jusqu'à la fin, car il y a des instructions, des modifications dont on va parler dans la vidéo, au cours de la vidéo, afin que vous puissiez faire les réglages comme il se doit. Donc voilà, mes amis, comme vous le voyez, le clavier qui vient par défaut, c'est celui que vous voyez actuellement. Maintenant, on va aller changer ce clavier par un autre clavier avec une interface qui nous convient et qui nous facilite la tâche. Donc, on va se rendre sur le Google Play Store. On va y aller dans la barre de recherche et puis on va écrire Linky Keyboard. Donc, on va écrire Linky, voilà, Keyboard. Voilà, c'est celui que vous voyez actuellement en premier, Linky Keyboard. Donc, je clique sur Linky Keyboard et je clique sur Installer. Donc, on va procéder à l'installation de notre nouveau clavier. Donc, c'est déjà fait. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir et directement, vous aurez cette interface. Donc, activer le clavier, changer la disposition, changer le thème, divers à propos de l'application. Donc, comme vous le voyez, c'est le lien. C'est l'application, c'est la version 6.1.23. Donc, on va y aller dans Activer le clavier, clavier actuel Gboard, gérer les claviers. Ensuite, on va sélectionner Linky Keyboard, comme vous le voyez. OK. Donc, on va sélectionner Linky Keyboard. On revient en arrière, paramètres de Gboard. Donc, vous choisissez la langue selon ce que vous utilisez. Donc, dans mon cas, moi, c'est le français, mais vous pourrez choisir d'autres langues, bien sûr. Donc, il y a pas mal de langues qui sont disponibles. Donc, vous choisissez la langue qui vous convient. Vous pourrez ajouter plusieurs langues afin d'avoir, par exemple, le français, l'anglais et puis l'arabe. Pour ceux qui aiment écrire en arabe et faire des recherches en arabe, vous avez la possibilité d'ajouter l'alphabet arabe sur votre clavier. Comme ça, il vous suffit juste de basculer d'une langue à l'autre. Donc, comme vous le voyez, la langue actuelle. Ensuite, clavier actuel, on va sélectionner Linky Keyboard, c'est très important. Donc, on va sélectionner clavier actuel Linky Keyboard. Ensuite, on revient en arrière, changer la disposition. Donc, c'est ici, vous pourrez choisir plusieurs langues. Donc, pour moi, je vais choisir English. Je vais choisir le français et je vais choisir aussi l'arabe. Donc voilà, j'ai les trois langues que j'utilise souvent pour mes recherches. C'est ces trois langues-là. Vous pourrez choisir les autres langues, l'allemand, l'espagnol, turc. Donc, comme vous le voyez, il y a pas mal de langues. Vous pourrez aussi changer le thème. Donc, vous cliquez sur le thème, Dark Theme actuel, Dark Theme 2. Donc, vous pourrez choisir celui qui vous convient. Dans mon cas, je vais choisir par exemple, c'est juste à titre d'exemple pour vous montrer, je vais choisir Default Theme. Ensuite, vous avez dans Divers, agrandir le clavier. Vous pouvez augmenter la taille du clavier pour qu'il soit plus grand.
Donc c'est ici augmenter la taille du clavier. On va l'activer bien sûr. Et ensuite, on va revenir tout en arrière. Et on va y aller par exemple ouvrir un nouveau browser. Et comme vous le voyez, le clavier a changé. Il est plus grand. Comme vous le voyez, un, deux, les trois, je n'ai plus besoin d'aller changer quoi que ce soit afin d'activer les lettres ou les chiffres. Et par défaut, comme vous le voyez, mon clavier est en anglais. Si j'y vais dans le navigateur ici, je peux choisir le français et bien sûr l'arabe. Comme vous le voyez, je peux faire mes écritures en arabe, comme vous le voyez ici. Je vais écrire quelque chose. Voilà, Ramadan. Ramadan. Voilà, Ramadan Karim, par exemple. Comme vous le voyez ici, Ramadan Karim. Donc, vous avez votre clavier en arabe, en anglais, dans plusieurs langues. Et l'utilisation est vraiment très optimisée. Et bien sûr, elle est très agréable, mieux que le clavier qui vient par défaut. Et bien sûr aussi, vous avez, on va cliquer à nouveau, vous avez aussi la majuscule qui est juste tout à côté. Et vous avez aussi les symboles, la majuscule. Donc, le clavier est complet. Vous avez aussi le vocal, donc vous pourrez utiliser le vocal pour les box Android qui donnent accès à cette fonction. Comme on le sait tous, la plupart ont cette fonctionnalité, donc c'est pas un problème, ce sera opérationnel à 100%. Donc, comme vous le voyez, mes amis, j'ai amélioré mon clavier. Maintenant, je peux utiliser mon clavier facilement sans être obligé de passer à chaque fois d'activer les chiffres et ensuite revenir activer les lettres afin de continuer mes recherches. Donc voilà mes amis, c'était juste une petite vidéo très rapide afin de vous aider à améliorer le clavier qui vient par défaut sur les Android et les Google TV. Si vous avez aimé l'astuce mes amis, n'oubliez pas de le mentionner dans un commentaire. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne. Sinon, activez aussi les notifications afin de recevoir les nouveautés. Sur ce, je vous dis à très bientôt, mes amis, et